Bonsoir à tous, bienvenue sur Deepline 91.5 Radio Pluriel jusqu'à 22h. Troisième lundi de chaque mois sur Deepline, c'est la résidence de DJ WA. Et écoutez, ce soir, émission spéciale. Spéciale pourquoi ? Parce qu'on va rester encore dans le cadre des nuits sonores et surtout du circuit électronique pour une soirée dont il est aussi l'acteur. La Dub and Beat, ça se passe à la Marquise. C'est ce jeudi, on va dire de 20h jusqu'à 7h du matin. Enfin, je vous expliquerai un peu les horaires et surtout le thème de l'émission. Luc, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc en effet, ce sera une heure qui sera complètement spécialement dédiée à l'artiste que l'on fait venir lors de cette soirée de Dub & Beat qui aura lieu donc à la Marquise le jeudi 13 mai 2010 dans le cadre des nuits sonores de cette année. Il s'agit en fait de Marco Furstenberg qu'on est en train d'écouter. On va vous laisser écouter un petit peu plus ce live qu'il a enregistré à l'Arena Club. C'était en mai dernier, donc de l'année dernière à l'Arena Club à Berlin. Je vous en dirai un petit peu plus sur notre soirée et sur la dub techno en général. Très bonne écoute à tous.
Thank you.
21h50 passé de quelques minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de Deepline, comme tous les troisièmes lundis de chaque mois, et bien c'est moi qui m'y colle pour ce soir. On vient de s'écouter une heure en compagnie de Marco Furstenberg, donc sur un live qu'il avait réalisé au mois de mai 2009 à l'Arena Club. Donc l'Arena Club, l'un des grands lieux du nightclubbing berlinois. Donc une heure pour vous faire découvrir cet artiste qui sera présent au cours de la soirée Dumb & Beat à la Marquise lors des nuits sonores de cette année. Donc ce sera à la Marquise, accompagné donc du crew de South Vision Records ainsi que Travibam. Visuel produit par Kiki de Clafouti, et on retrouvera aussi Zef de Clafouti, donc Clafouti Records qui est un label et collectif lyonnais. Donc cette soirée Dumb & Beat a été créée et montée pour l'occasion afin de mettre en avant l'un des styles qui a traversé les âges de la musique électronique depuis le début des années 90, à savoir la dub techno. Donc la dub techno, qu'est-ce que la dub techno? Très rapidement, c'est un style qui a été initié par Basic Chanel, donc c'est-à-dire Maurice von Oswald et Marcus Ernestus, qui était en fait un duo berlinois qui ont sorti les toutes premières plaques dub techno au début des années 90. Ce style a parcouru donc on va dire la culture techno et la culture électronique depuis ces années, avec un certain nombre d'échos internationaux, dont les labels Deep Chord et Echo Chord en Angleterre, les labels Sinner en Allemagne, ou bien aussi on pourra retrouver le label Tenika du côté du côté de la Croatie. La dub techno, un style que méconnu, mais en tout cas que tout le monde a forcément écouté sur les dance floors, ou bien en retour, je dirais, de fête les dimanches au fin fond de son canapé. Pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce style, je vous proposerai d'aller sur internet à l'adresse dubnbit.com, dubnbit.com, où vous pourrez retrouver donc une petite présentation de la dub techno, une playlist faite spécialement pour l'occasion afin de reparcourir un peu 15 ans d'activisme musical autour de ce style, et surtout une présentation de notre artiste Marco Furstenberg, qui sera justement le guest mis à l'honneur de cette soirée, qui aura donc pour, je vous le répète, qui aura lieu à la Marquise, donc durant les nuits sonores cette année, le 13 mai 2010. Voilà. Donc, je vais vous laisser écouter tout en douceur la fin de ce live que Marco Furstenberg a réalisé donc à l'Arena Club. Je vous souhaite une très très bonne écoute sur Radio Pluriel.
Alors j'espère que vous avez bien noté dans vos agendas Demain Beat le jeudi 13 mai à la Marquise à partir de 20h. DJWA entre autres, notre représentant. Et voilà, ce talentueux DJ bien dub à Demain Beat. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur lenewsonore.com, sur le circuit électronique Dub and Beat pour plus de renseignements. Voilà. On se retrouve à la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec Mr. Carlitos et son invité. Voilà. Maintenant, c'est Monsieur W. Jazz, Jaco. Et bien sûr, avant ça, la pub.